Oui, on est toujours content quand on reçoit un prix qui est surtout une addition qui fait un collectif. Et dans ce cas-ci, vous savez, ce n'est pas un bourgmestre, c'est même pas une commune, c'est d'abord une masse de personnes qui se mobilisent. Il y avait quelques opérateurs, chez nous évidemment intercommunalité d'État, mais en plus un conseiller en énergie qui souvent a une tendance à travailler dans l'ombre parce qu'on l'oublie alors qu'il est très actif, et en même temps la rénovation rurale. Donc c'est vraiment à toutes ces personnes-là que je pense en disant que je suis heureux pour eux, puis je suis certain que ça boostera d'autres personnes encore. Donc ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, mais croyez-moi, on va seulement agrandir le fleuve maintenant. Oui, mais moi, tout ce qui est guide, je fais un peu trop penser à ce qui s'est passé en Corée du Nord ou en Chine. Donc j'aime pas du tout le terme de guide. On est là, il y a parfois du hasard, il y a parfois de la volonté, il y a souvent les deux ensemble. Et donc il faut simplement essayer de faire en sorte que le moment où on est là, ça fonctionne. Ça, c'est mon boulot. Et puis les autres prendront le relais sûrement un jour aussi. C'est indispensable. C'est la valeur de l'exemple. Vous ne pouvez pas montrer, et surtout aujourd'hui, où il y a tellement de critiques parfois sur ce développement durable, où on finit par tout mélanger et tout confondre, si vous ne pouvez pas montrer l'exemple, si à un moment donné, certains ne montrent pas ces exemples, ne valorisent pas ce qui se fait de bien. Vous savez, c'est tellement facile de critiquer, moi je préfère créer. J'ai 50 ans, ce temps où on passe son temps à se moquer des autres, ça ne m'intéresse pas. Par contre, avec le temps qui me reste, j'ai envie de regagner beaucoup de temps.